Salut à tous, c'est Saram, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture Pokémon. On vous l'avait promis avec Sansan dans la dernière ouverture de je sais plus quoi, un coffret qu'on avait trouvé dans un magasin. On était tout simplement tombés sur ces petites tin box qui sont trop magnifiques, elles sont trop stylées. Salut à tous, c'est Saram du futur et je me permets de vous faire ce petit message parce que oui, les images sont floues, vous le remarquez tout de suite, hein, je pense, ça se voit un tout petit peu quand même. Alors le souci avec les ouvertures Pokémon, c'est qu'on peut pas les recommencer. Une fois que c'est tourné, on ne peut pas tricher. Et comme je vous avais promis l'ouverture des tin box qu'on va ouvrir aujourd'hui, eh bien, je me sentais obligé de vous présenter quand même la vidéo. Surtout que finalement, elle est assez fun. En plus, ne vous inquiétez pas, le plan sur mes mains, lui, sur les cartes Pokémon, est net. Et d'ailleurs, le plan sur moi devient net à la fin. Et puis, le plus important, n'oubliez pas, c'est le son. Et vous avez mes réactions en live. C'est ça le plus important sur les ouvertures Pokémon. Bon, sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo avec ces magnifiques images floues. Je fais l'ouverture tout seul parce que finalement, il va pas y avoir beaucoup de boosters. Donc, autant faire ça, voilà, assez vite. Je sais même pas ce qu'il y a comme booster là-dedans. Et du coup, dedans, il n'y a que 2 boosters. Si je calcule bien, 5 x 2, 10 boosters. Et on espère avoir une ultra rare, ce serait très bien, mais surtout ce qui est très cool c'est qu'il y a une carte promotionnelle à l'illustration de la tin box, normalement, d'après ce que j'ai compris, donc 5 cartes illustrées magnifiques différentes, j'ai vraiment hâte, surtout qu'il y a un petit Salamèche, je commence par celui-ci et c'est un gros big up à Sansan. On a le petit Pikachu qui est magnifique, le Bulbizarre, le petit évolue trop chou, et mon préféré, le Carapuce, et oui c'est mon préféré le Carapuce, mais en même temps, mais regardez comme il est trop mignon, en plus il y a un Magikarp au-dessus, gros big up à Alès forcément. Faut savoir que l'illustration des tin box se suit, si vous alignez les 5 dans le bon ordre, et eh bien ça vous fait une scène complète avec tous les Pokémon, donc c'est plutôt sympa. Si c'est la même chose sur les cartes, ce sera très stylé. Et du coup, sans plus tarder, je vais déceler toutes ces petites tin box et on va se les ouvrir. Et en plus, les tin box, ce sera trop cool pour, je sais pas, ranger quoi, mais ce sera trop cool dans la collection. Elles sont trop belles. Ça y est, je les ai déboxées et je vais vous mettre une photo que j'aurais fait juste après où justement vous voyez toute la petite scène et surtout vous voyez toutes les tin box parce qu'elles sont juste magnifiques une fois déboxées. Je vais me garder le Carapuce pour la fin et bah le Salamèche aussi parce qu'il y a un petit Garatichaud devant, donc bah voilà, je kiffe Garatichaud, vous le savez. Et du coup, on va peut-être commencer par le Pikachu parce que finalement, bah c'est un peu le Pokémon qui représente toutes ces années de Pokémon. Et du coup, on va ouvrir ça et voir comment ça se présente, je ne sais pas du tout. Alors, il y a un jeton, oui. Oh, c'est un Fenard d'Alola. Il est trop beau, je vous le montre en bas. Oh la vache. Alors moi qui adore les jetons et qui les collectionne, là, ils sont super, super beaux. Ensuite, on a une petite carte illustration. Ah, je m'attendais pas à ça, je suis déçu. D'accord, c'est pas du tout une carte Pokémon. C'est justement, bah, la couverture, ça reprend, voilà, le design de la boîte. Mais c'est une carte comme ça, quoi. C'est même pas holographique, rien. Derrière, bah, il y a des explications de ce que c'est que Pikachu. Merci, les gars. Non, c'est un peu nul. C'est dommage. D'un côté, le jeton, je le trouve trop beau. Et de l'autre côté, bah, la carte, c'est pas une vraie carte Pokémon, quoi. Elle peut pas être jouée, quoi. Pour les boosters, on a un ombre ardente. Alors, je vous avoue que c'est mon extension que j'aime le moins de Soleil Lune. Mais c'est pas grave parce qu'on a un gardien ascendant. Et ça, j'aime beaucoup Gardien Ascendant. On va l'ouvrir en deuxième. Du coup, je vais ouvrir les boosters au fur et à mesure. Comme ça, on va voir quelle illustration est la plus chanceuse finalement. Je vous rappelle qu'on ouvre la tin box Pikachu. Pendant que je déballe, petit rappel, la tin box coûte 10€ en magasin. C'est intéressant parce que ça fait 5€ le booster, donc c'est pas mal. On commence par un petit Porygon, Caraclé, Mystère, Salamèche, Marill, l'énergique combat, le relais optimiste, le mont Lanaquila, en dresseur Vicky, l'Emperois en reverse, super la carte magnifique, et attention quelque chose ou pas, la 102 sur 147, Persian, simple rare. Ok, alors faut savoir que Ombre Ardente, on a beaucoup, beaucoup de cartes, on en a pas mal ouvert, donc dans la collection il va nous manquer que les ultras finalement, peut-être une ou deux holos, mais c'est tout. Je viens de confier mon application Pokécadex à Sansan qui est à côté, comme ça si jamais il y a une carte où on a un doute, on pourra savoir si on l'a ou pas. Alors Sansan me dit qu'on n'avait pas Persian. C'est une très bonne nouvelle, nous n'avions pas le Persian, donc écoutez, une simple rare mais qu'on n'avait pas, donc c'est cool. On continue avec Gardien Ascendant. On commence avec un bébé Kai, Froussardine, Cadoiseau, Tibouté, le petit Ramonos trop mignon, l'énergie combat, loterie d'énergie, et Kaïd, d'accord c'est cool, l'évolution de bébé Kai, du coup c'est un booster qui se tient, qui est logique. La civière. Oh, Dodoala en reverse, et je crois que j'ai quelque chose derrière. Non, mais c'est une holo Sinistrail, c'est cool. Donc la petite box Pikachu, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et on va continuer avec la Bulbizarre, parce que Bulbizarre est un Pokémon incroyable, et là j'y crois un peu plus. Alors, nouvelle déception, hein, déjà la carte, bah c'est encore la même chose, c'est une carte classique dont on se fiche complètement, mais le jeton c'est le même, c'est un Fenard d'Alola. J'espère juste qu'il y en a des différents. À mon avis, ça annonce le contraire, je pense que ça va être 5 fois le Fenard d'Alola, et ça me fait chier. Et toujours du Ombre Ardente et du Gardien Ascendant, d'accord, donc on va faire la même chose, d'abord l'Ombre Ardente et ensuite le Gardien Ascendant. On commence avec Bacabou, Hoot Hoot, Sac de Nœud, Araquois, Sepiatop, l'énergie haut, les haltères de culturisme ou les faux écarteurs, Flo tout temps, Solarock. En reverse, nous avons Pikachu, et ça c'est cool parce que c'est une très belle illustration. 35 sur 147,
Type O, Azumarill, en simple rare. Allez, gardien instantan, s'il te plaît. Commence avec Passe Rouge, Chlorobulle, Terral, Goopix d'Alola, Ramolos, L'énergie Psy, Colline Clapotis, Lagados, Dodoala, en reverse Ampiflore, ça c'est très cool. Et c'est une rare, et je pense que c'est une holo reverse, à mon avis. C'est pas une holo, mais on l'avait pas du tout, apparemment. Donc je pense que c'est une holo parce que franchement elle est magnifique. Et l'illustration est très très cool, donc je suis très content. Et attention, derrière nous avons la 28 sur 145, à savoir Sharpedo, qui est très très belle. On a déjà, mais j'en ai marre, mais c'est pas vrai. On croise les doigts pour une ultra, hein, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire, ultra, ultra, ultra. Si vous l'écrivez 5 fois, normalement, eh ben, elle va apparaître. On continue avec le petit évolu qui est trop mignon. Attention, suspense pour ce jeton. Oh, c'est le même. C'est le même. Et une carte de merde. Oh. Et par contre, en barre ardente, on a... Oh, 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 ça sent bon. On commence avec le Pokémon préféré de tous les Français, Tadmorph d'Alola. Riolu, et non pas Riolé. Bombidou, Araquois, Togedemaru, Énergie Fée, Sévipère, Chris. On n'avait pas Chris, apparemment, donc ça fait plaisir. Pourtant, on vient d'acheter son album. Rubombelle, en reverse nous avons Miaouss, c'est cool. Et derrière on a la 78 sur 147, simple rare, oh, d'accord, Bourinos qu'on a déjà, super. C'est pas ouf parce que oh oh j'y ai cru, je me suis dit oh oh. Oh, 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 ben non. Alors pour rappel, c'est Sansan qui a choisi les tin box, hein. Donc si vous voulez engueuler quelqu'un pour la mauvaise pioche, c'est Sansan qu'il faut engueuler. On commence avec Chlorobulle, Miasmiasme, Machoc, Rakayu d'Alola, Tiboudé, l'énergie, obscurité, ténèbres, machin qui fait peur, les gothiques, Sivière, Dodoala, encore une fois, c'est un truc de ouf, Mesmerella, en reverse Miasmax, pour la 71 sur 145. Oh, on l'a pas. On me dit qu'on l'a pas d'avance et c'est... Oh, Barbicha, ok, simple rare, excellent. Ah putain, 5€ le booster, c'est pas cher, mais... Je pense que je vais garder le Salamèche pour la fin. Pourquoi? Parce que Salamèche est le Pokémon préféré de Sansan. Et parce qu'il y a un Canartichaud, et c'est mon Pokémon préféré. Ici, il y a deux Pokémon que j'aime beaucoup, il y a le Pokémon d'Alès, mais voilà, désolé Alès. Attention, nous avons un magnifique jeton. Ah bah, je le vois pas. Il est où le jeton? Il y a pas de jeton. Alors là, c'est la meilleure. Celui-là, j'ai pas de jeton. Franchement, là, Pokémon Company, ça déchire, hein. Vous faites ça trop trop bien. Ça me rappelle un peu le booster que j'avais ouvert, je sais pas si vous vous rappelez, où la rare était en anglais. Ça, ça m'avait bien marqué aussi. Bon, en booster, on a quoi? Ombre Ardente et Gardien Ascendant. Tiens, c'est original. Qui dit Tin Box sans jeton dit chanceux. On commence avec Bacabou, Venipat, Hippotrempe, Tiboudet, Coxy, Énergie. Oh, le Spray Tourmenteur, Scobolide, Guzma. En reverse, nous avons Frison, c'est pas mal. Et derrière, la 38 sur 147, Dentycrisse, putain de merde. On l'avait pas. On n'avait pas d'Anticris? Non. Bah d'accord, bah super. Génial, je me rends compte d'en avoir. C'est une carte que j'aurais acheté 10 centimes en vide-grenier, excellent. Continuons avec Gardien Ascendant. Une secrète Rainbow. On commence avec Machoc, Miasmiasme, Chlorobulle, Le Vénard, Goopix d'Alola, L'énergie O, Simularbre, Gravalanche d'Alola, Potion Max, Oniglali que j'aime beaucoup en reverse, qui est un Pokémon que je joue beaucoup, beaucoup dans le JCC. Et Sansan me fait des gestes en mode, hey, on l'a pas. Et derrière, on a quoi? On a la 20 sur 145. Attention, Sablero d'Alola, qu'on a pas, c'est ça? On a pas, super, ouais, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est une simple rare. Bon, de toute façon, j'ai dit quoi? Que c'était ça qui était chanceux? Il y a un jeton dedans, bon, excellent. J'y crois plus, je ne dis plus rien. Oh! J'ai un nouveau jeton. Ah, par contre, c'est cool. C'est très, 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 très cool. C'est encore un Pokémon d'Alola. Et il s'agit du petit Raichu d'Alola. Et en booster, nous avons un ombre ardente et un gardien ascendant. Étonnant. Ah. Et allez, on commence la début de la fin par Caraclé. Ensuite, Tiboudé. Puis vient Mystherbe. Accompagné du Dabeur. Le Psystigris passe par là et dit ah, l'énergie ténèbre. Comment vas-tu? Ah, mais il y a Kiawe qui arrive pour dire « Oh, Porygon 2, viens m'aider !» Et là, Crisacier ne fait rien puisque c'est un Crisacier. Il invoque la Reverse Noctunoir, pas mal. C'est très très joli. Et derrière, nous avons la 41 sur 147 Raichu en holo. On l'a, mais elle est belle. La seule holo qu'il y a, on l'a. Excellent, j'adore ma vie. Il reste un booster, est-ce qu'on y croit? Non, voilà. Un sondage apparaît maintenant, si vous y croyez. Bah dites-le. On commence avec Nirondelle, Bébé Coy, Gadoiseau, Yamia, Machoc, l'énergie électrique, la civière, qu'on n'a pas encore déjà eu 30 millions de fois, Simularbre, Métang, en reverse je crois, oui, nous avons Terral, c'est pas mal, je crois qu'on a quelque chose. On finit bien, on finit bien, on finit bien. Est-ce qu'on finit bien avec un truc qu'on a déjà? Est-ce qu'on finit bien avec autre chose qu'une simple GX? Je ne sais pas. La 85 sur 145 Metalos GX que j'ai déjà en double. Je l'ai déjà deux fois, je suis ravi de cette ouverture. Pour me soutenir, laissez-moi un gros pouce bleu, mettez en commentaire t'es trop une merde, Saran, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle ouverture. Je suis trop content, au revoir.